pa. Excusez-moi, bouf, j'ai dit sucez-moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas si la mise au point est bonne ou pas, tu vois. Et si elle est bonne, faut prendre son 06 vite fait. Salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve avec une vidéo assez spéciale. Pourquoi? Parce que je suis en caleçon. Vous aviez pas à savoir ça, mais c'est juste à titre informatif, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais répondre à des commentaires méchants ou à des commentaires entre guillemets négatifs, tu vois. Tu fais pitié de XD91Lohan. Frère, tu t'appelles XD91Lohan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Blédard, pourquoi t'as fait une autre chaîne? T'es con, t'avais plein d'abos. Ah bon, ça c'est un peu un bâtard parce qu'en gros, il est en train d'insinuer que je n'ai pas de personnalité, que je suis une copie de mon frère et qu'en gros, il m'a confondu avec lui, tu vois. Ça c'est un truc qui m'a vraiment pas mal embêté quand surtout j'ai commencé, tu vois. À chaque fois, je recevais des plagiat Blédard, tu copies le Blédard, et ils savaient pas qu'en fait on était frères. Et puis ensuite, dès qu'ils savaient qu'on était frères, ils avaient deux sortes de réactions. Ou bien ils s'excusaient, ils disaient, ah, putain, je savais pas en fait, ouais, si c'est ton frère, tu peux le copier. Mais espèce de hamal, je le copie pas, si on se ressemble, c'est qu'on est frère, c'est normal, tu vois. Alors, ou bien ils avaient cette réaction, ou bien la deuxième, c'est ils continuent de rager, tu vois. En mode, ouais, j'en ai rien à foutre, t'as pas copié ton frère, même si c'était tes frères avec lui, ou bien, enfin, tu m'as compris. Mais Gwell Vermette qui me dit, connard, panorama, t'es con, ça a pas d'allure, gros zizi. J'ai pas trop suivi en fait, tu vois. Mais Miguel Vermette, vermette ta gueule, tu vois, parce que je suis drôle, à ce qui paraît, je suis drôle. Mal like si tu aimes bien mes jeux de mots. Même un like. Lily Dudan qui me dit, même en faisant le con, pas normal, il a un charme quand même. Mais dis donc, Lily Dudan, tu me fais du rentre Dudan. Gina Latila qui me dit, MDR, je trouve que même quand il fait le con, il a du charme. Mais putain de merde, on dirait que c'est la même personne qui a écrit la même chose, mais avec un compte différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui est triste, Gina, c'est que je ne le fais pas exprès, tu vois. Je suis moi-même. En gros, je suis con de base. Rian Feiza qui me dit, sale con. Rian ou Rihanna? Hamid le barbare qui me dit t'es con. Non frère, déjà Hamid le barbare, tu enlèves Hamid, tu vois, je t'autorise pas à t'appeler Hamid, pardon, à t'appeler Hamid. Je peux pas t'appeler Hamid et m'insulter, tu vois. Déjà c'est moi qui a officialisé le Hamid. Je te promets, en plus c'est vrai bordel, c'est moi qui l'a rendu célèbre le nom Hamidou. Arrête tes conneries s'il te plaît. Musine qui me dit con. En fait elle avait trop la flemme pour me dire t'es con et je me dis con. Ouais, j'ai envie de rager, rage bien putain. Dis-moi t'es un putain de con, la putain de ta race. Jordan Kiloto qui me dit, il utilise la YouTube monnaie comme ça, t'es un gamin encore, tu sais pas utiliser ton argent et tes vidéos deviennent de plus en plus nulles, c'est dommage. Je me désabonne en espérant revoir une bonne vidéo, bonne continuation. Ça n'a pas trop de sens parce que si tu te désabonnes, c'est qu'en gros tu comptes ne plus revenir sur ma chaîne. Or tu dis j'espère revoir une bonne vidéo, ça veut dire que tu vas revenir jeter un coup d'œil. Donc en gros, que tu t'abonnes, tu te désabonnes pas, tu vas entre guillemets continuer à me suivre d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui me rassure dans ton commentaire, c'est que je me dis je suis pas le seul con dans l'histoire, tu vois ce que je dis ou pas. Et en plus, en parlant de YouTube monnaie, Jordan Kiloto, j'espère que tu vas gagner au Kiloto au loto. je suis trop chaud, je te dis. JFGF qui me dit, il le fait exprès d'être con. Non, je te dis justement, je le fais pas exprès. Gabi Nounet qui me dit, je te pensais pas aussi cultivé d'aller au Louvre. Franchement, je te pensais genre le mec un peu con et drôle, alors que pas du tout, donc c'est positif, change pas. Ah d'accord, donc tu pensais que j'étais le mec un peu con et drôle, alors que pas du tout. Donc en fait, tu penses que je suis pas con et pas drôle du tout. Franchement, c'est un commentaire négatif. C'est un commentaire négatif, je suis désolé. Gabi Nounet, comme t'as vraiment une mauvaise langue, j'irais plus Gabi Noubouche. Parce que bouche, quand tu ouvres ta gueule, non. En vrai, t'es BG quand tu fais pas le con. Ça c'est... Non. Chera Moujawi qui me dit, mais tu n'étais pas moche. Ça veut dire que maintenant je suis dégueulasse, c'est ça que tu veux dire, Chera Moujawi? Chera Moujawi. On peut dire que j'ai pris Chera avec ce qu'elle vient de dire, non? Ok, c'est pas grave. Winston Buzz qui me dit, rase tes cheveux, FDP, t'es moche, hey wow. Ah d'accord, il essaie de m'amadouer avec les hey wow. Mais non, tu viens de m'insulter, tu vois, assume, y a pas de hey wow. Winston Buzz. On peut dire que tu abuses. En vrai, je dis rien de très méchant, tu vois, je me défends pas réellement, tu vois. Mais bon, comme j'ai envie que ma vidéo soit monétisée, je vais pas commencer à insulter tous les gens qui parlent mal. Hussein Sissi, Sissi, la famille frérot. TBG en CP, CE1, CE2, sinon t'es moche. Cordialement. Ça c'est pas cool, c'est vraiment pas gentil, je te jure. Putain, ils sont tous moches, wesh, comme leur blague d'ailleurs. Oh non, il est en train de parler de vous en fait, enfin de ceux qui sont passés dans la vidéo Snapchat où je vous demandais de raconter vos pires blagues. Ah non, je vais pas vous défendre, hein, vous avez qu'à vous le faire vous-même, attends. Déjà, il y en a qui me clash et vous voulez que je vous défende, vous foutez de ma gueule. Non, je déconne. Pegasagario, je vais commencer à insulter. T'es qu'un gros connard, dégage, wesh. J'ai pas des réparties, donc c'est ce que j'ai trouvé à dire. Non, je déconne, Pegasagario, je déconne. Je vais dire autre chose pour me rattraper. Hey, Pegas, on peut dire que le soir, t'as des gaz.
Caca pipi, caca pipi qui me dit t'es devenu mange. Tu t'appelles caca pipi, caca pipi. C'est tout ce que j'ai à dire. Mustapha Ostemir, tu es très moche. Oh non, tu vas pas me dire que Mustapha a osé Temir, il a osé Temir dire ça. Non. Kwakinati qui me dit à quand ton prochain vlog à Daesh. Et c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, tu vois, même si ça m'a fait rire, c'est pas drôle. Samir Sirpassi qui me dit PDVA. Non, je ne suis pas homosexuel, non. Mohamed Medjdoub qui me dit t'es PD ou quoi? Non, je ne suis pas homosexuel, c'est quoi le problème? Hamza Bouchnafa, vous êtes tous les deux des gros PD, mais mine. Annie Tripiti, MDR pas normal et un PD. Mais ils ont quoi avec les homosexuels? C'est incroyable. Ce qui est triste en fait, c'est qu'ils prennent le mot PD comme une insulte, tu vois. Imagine si je te disais sale hétéro. Tu vas me dire bah ouais, je suis hétéro frère. Et alors mets-toi à la place des homosexuels et essaye de vivre ça au jour le jour. Moi j'ai rien contre les homosexuels, je suis obligé de le préciser, tu vois. D'ailleurs je me suis fait draguer par un vendeur à Sephora qui à mon avis vraiment était, il était de ce côté là. Et tu veux que je te dise honnêtement, je me suis senti flatté, je me suis senti un peu gêné à un moment, tu vois, mais plus flatté qu'autre chose. Parce que je me suis dit, frère, si avec les meufs ça se barre en cacahuète, ouais, c'est avec les homosexuels, il y a peut-être moyen, tu vois. Non, plus sérieusement, je me sens bien en tant qu'hétéro, tu vois, et voilà. Ricomi in the game, t'es qu'un connard. Ricomi, on peut dire que t'es un ricomique. Bon, moi je suis pas un comique par contre. Dans Little Big Planet 3, tout est possible à faire, petit connard. Pourquoi tu finis avec le petit connard? Je comprends pas en fait. C'est comme si tu me dis, hey, mon enfant, tout est possible dans la vie. Petit con. Tu fais pas ça frère, tu ne fais pas ça. Connard, tu ne sais pas chanter. Et alors, c'est pas une raison de m'insulter de connard, tu vois. Bon, sauf si t'as saigné des oreilles. Là, je te jure que c'est vrai. Là, y a de quoi m'insulter, oui. Putain, tu peux répondre en commentaire, connard, cordialement. Je rigole pour le connard. Non mais le je rigole pour le connard, je ne le prends pas en considération. Parce que c'est comme si j'insultais toute ta famille et que je disais, franchement, tu devrais répondre à mes commentaires. La putain de ta mère, la grosse p***asse, la ouais, fait DJ Adel, c'est moi et je lui mets comme ça. Et après, je te dis, je déconne pour tout ce que j'ai dit, tu vois. Non, tu vas me dire, je vais te casser ta gueule. Du coup, ouais, ça marche pas trop. Pour finir, Max le gamer qui me dit, c'est toi le gros connard. Mais je t'ai pas insulté frère. Moi ce que je retiens de tout ça honnêtement, c'est que la majorité d'entre vous me kiffe. Et c'est ça qui compte au final. Parce que ouais, si tu es là à dire ouais, il y a une petite partie qui m'aime pas, je sais pas quoi, frère, il y aura toujours des gens qui t'aiment pas. Et au final je le prends plus à la rigolade qu'autre chose. Parce que c'est du divertissement qu'on fait, bordel. On va dire que ça fait partie du game, tu vois ce que je veux dire, et il faut l'accepter. Dans tous les cas les amis, si vous avez kiffé la vidéo, vous laissez un petit éclair. Pourquoi pas un petit commentaire en partage. Sur ce, prenez soin de vous, j'ai la prochaine vidéo. Peace. Hey well.